Bonjour. Je vous reviens ce matin avec cette mini vidéo pour répondre à 4-5 personnes qui m'ont écrit depuis hier par rapport aux compléments alimentaires qu'il faut prendre pendant l'été. Bah, je sais qu'en été, il fait tellement chaud que généralement, il faut boire déjà beaucoup d'eau. Et les fruits conseillés, normalement, actuellement, c'est plutôt les pastèques et puis les melons. C'est très bon pour la peau. Et non seulement ça hydrate beaucoup de l'intérieur, mais ça donne une super belle couleur de peau. Donc voilà. Quant aux compléments alimentaires qu'il faut prendre en été, c'est les carottes. Les compléments alimentaires à base de carottes. J'explique. Les carottes, elles sont reconnues spécialement comme un super aliment, qui fait bronzer la peau et qui donne une belle peau hâlée et frais. Donc voilà. Et des compléments alimentaires à base de carottes, moi je vous conseille vivement de prendre ça en été pour des personnes qui n'ont pas assez de temps pour prendre des petits déjeuners le matin. Vous prenez juste 3-4 gélules, vous avalez et puis c'est bon, hein. Dans le cas contraire, vous pouvez boire un verre de jus de carotte tous les matins. Donc voilà. Et les carottes, normalement, elles favorisent un super teint hâlé et frais, comme je l'ai dit tantôt. Et la carotte vous permet aussi de perdurer le bronzage et de protéger les cellules de la peau des rayons du soleil. Et la carotte également, elle contient de la vitamine B, comme la niacine, et la vitamine B6, qui aide notre corps à métaboliser l'énergie des aliments. Donc voilà. Et la vitamine B, elle favorise non seulement la croissance de la peau, pour avoir une bonne santé. Voilà. Pour avoir une peau en bonne santé, des cheveux, des nerfs et des muscles aussi. La carotte est une source, une super source acceptable de la vitamine C. Elle vous revitalise aussi. Elle est très bonne, la carotte. La carotte, c'est un super aliment. Vraiment, je vous le conseille vivement. Pour ajouter, parce qu'en été, généralement, il y a toujours des pieds qui enflent pour les personnes. Et qui passent des journées debout, et puis après, il y a des pieds qui enflent et tout, généralement en été. Moi, je vous conseille de rajouter du curcuma. Le curcuma, normalement, il est reconnu comme anti-inflammatoire, hein, scientifiquement, c'est prouvé. Donc voilà, vous rajoutez quelques gélules de carottes et quelques gélules de curcuma. C'est un super mélange. Ça, vraiment, il est royal, ce mélange-là. Voilà. Si vous l'avez pas en complément alimentaire, vous prenez juste un verre de jus de carotte le matin et vous mettez une demi-cuillère à café de curcuma dedans et vous tournez un peu de jus de citron si vous l'avez parce que ça s'accompagne bien. Et la carotte, c'est une source acceptable de vitamine C, comme je vous l'ai dit tantôt. Donc, vous pouvez du coup ajouter quelques gouttes de jus de citron là-dedans. Vous le prenez. Si vous n'avez pas des gélules, des compléments alimentaires pour avaler, vous pouvez le prendre aussi en liquide. C'est très bien d'ailleurs et ça se digère facilement. Donc, voilà. J'espère avoir répondu à ces questions-là et tout. Et vraiment, je suis désolée pour toutes les autres questions qui me sont posées. J'avoue que je ne pourrais pas répondre spécifiquement à chaque personne par rapport aux questions. Donc, voilà, je prends 4-5 personnes qui ont les mêmes questions qui reviennent et je réponds à une vidéo pour pouvoir être vraiment. Pour pouvoir être non seulement actif et aussi apporter un peu plus chez des personnes qui aimeraient savoir ce qu'il faut prendre effectivement pendant cette période-là. Donc voilà, j'espère vraiment avoir été un peu plus claire
et plus expressif par rapport aux compléments alimentaires qu'il faut prendre. Mais vraiment, je suis navrée, je peux pas répondre à tout le monde, malheureusement. Donc voilà, je fais du mieux que je peux, j'avoue. Merci beaucoup. Merci pour l'attention que vous apportez à mes vidéos. Et merci. Merci bien. Bonne journée. Bisous. Mariama.